In the following interview, Supreme Master Ching Hai eloquently explains the relationship between spirituality and art. Please enjoy this special presentation from January 24, 1997, in Paris, France, entitled The Meaning Behind Master's Art Creations. Premier rendez-vous extrêmement important sur Canal Bijorka. Je reçois aujourd'hui Madame Suma Ching Hai. Merci d'être venue, Madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Madame Suma Ching Hai, d'abord, il y a quelque chose que je vais vous demander. D'abord, vous remercier. Je sais que vous arrivez de Hong Kong à l'instant. Vous descendez de l'avion. Merci d'être venue nous voir tout de suite. Je vous remercie. Non, c'est nous qui nous remercions. Voilà, nous nous sommes remerciés. Tout va bien. Il y a quelque chose que je disais tout à l'heure en présentant le sujet que j'ai trouvé très, très intéressant et très curieux. Enfin, parce que ici, on n'a pas vraiment l'habitude. Vous avez reçu un prix extrêmement important, qui est le prix mondial de la paix, qui vous a été décerné à Honolulu, au nom du gouvernement américain. In Chicago. Aussi. 1992. Madame Suma Ching Hai, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir un tel prix? Maybe I have helped a lot of people around the world, and spiritually, mentally, and materially. That's why the government of the United States wanted to give the Peace Award. Vous êtes vietnamienne de nationalité britannique. Vous pouvez traduire en même temps. Hein. Oui. Quel fut globalement votre parcours? Vous avez commencé à vous intéresser, par exemple, aux bijoux à partir de quand? À partir de peut-être 4 ans. Il n'y a pas plus de 4 ans. Et auparavant, vous faisiez quoi? I design clothes. Je faisais des vêtements. Donc, je créais des vêtements. D'accord, donc toujours dans la création. Vous avez un parcours parallèle qui est un parcours spirituel. Yes. Est-ce yes. Que bon, j'imagine que c'est important pour votre vie. Donc, est-ce que lorsque je vous dis ça, il faut entendre religiosité ou il faut entendre spiritualité? We have all kind of religious people. We do not discriminate which religion. We just teach people how to go inside to find their own treasure of peace. And it doesn't matter what religion. On dit de vous que vous êtes un maître. When you teach people something, people call you teacher. That's normal. D'accord. Il y a maître d'hôtel aussi. Maître d'hôtel. Absolument. Maître n'importe quoi. Absolument. J'aimerais qu'on s'intéresse à vos bijoux maintenant. D'abord, est-ce que vous pouvez me dire quelle relation vous faites entre bijoux et démarche spirituelle? Est-ce qu'il y a une relation? Yes, the beauty and virtues and truth are the symbolic of all the religion. So if one creates some beautiful things and it also symbolizes some beauty of heaven, I think that is also a reminding us of the spiritual practice. Donc on peut penser que chaque bijou que vous créez a un sens. Yes. Okay. Yeah. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-unes de vos créations? For example, this with the SM logo, this is our logo. Yeah, the whole set together. Est-ce que le logo a été choisi selon une... SM means Supreme Master. It reminds us that we are the Supreme Master. Just like in the Bible, it says that God, the Spirit, dwells within you. D'accord. C'est comme le temple. La petite this broche. This is different, yes. This is a new design. To people when they are, and they, when they understand each other physically, mentally, and spiritually, they become one, just like we become one with God when we attain perfect enlightenment. Ce que je tiens dans les mains là, c'est un cadeau pour dire je t'aime. Can yes, can also use it for wedding. C'est la matière, c'est de l'or. It's real solid gold and diamond. Everything we made are real precious stone, real gold. There's no normally it's a 24 carat, you know, 22 or 23 carat. Nothing that is not real. Not a gold plate, it's real gold solid. En français, nous disons, c'est pas du toc. C'est pas du toc, c'est ça. Le collier, là, il est très très beau, ce collier. Oui, c'est joli. It's a bracelet. Pour les femmes. Pour les, oui. Oui, on peut dire ça, oui. Mais il y a aussi pour les hommes. On viendra aux hommes tout à l'heure. Celui-là a une histoire. Lorsque vous créez un bijou, est-ce que vous vous mettez dans un état particulier ou est-ce que vous êtes inspiré par un événement particulier? Inspiré.
inspiré. De Dieu, quoi. Oui. Ça se passe comme lorsqu'on écrit un livre ou lorsqu'on on fait un tableau? I have never studied designing before. After meditation for many years, I become inspired and I can do many things like designing clothes, designing jewelry, do some painting, many other things. D'accord. Le gros collier, là, il est très beau aussi. Hein. On est toujours dans l'or, là? Qu'est-ce que c'est ce collier? This kind of a hidden force connection. Oui, c'est ça. C'est le lien avec la force cachée. This is real Australia opal and a real gold. Et de l'or. In different setting, like this gold is a little bit dull, you know, real, and this gold is more shining. Just to create the artistic eye-catching look. Also to represent the force of the negative and the positive, et like we call yin-yang. On retrouve la spiritualité. Yes. Diamond represents our true self, which is forever indestructible. And we selected, we search for the best quality of opal and the best color you can see. This is very rare. You can find such a big opal with beautiful color like this. Ah oui, il y a le... So big like this is rare. On avance un petit peu dans vos créations. Alors là, bon, on va peut-être prendre juste le... Oui, mais oui. Est-ce que le choix des couleurs, bon, par exemple, on a du bleu, on a du noir, on arrive sur quelque chose qui est noir. Est-ce que le choix des couleurs est important? Si. Sinon, c'est pas joli. Oui, certes. Mais est-ce que le choix, alors là, je précise ma question, est-ce que le choix des couleurs a du sens? Yes, also have meaning. For example, this also white, the diamond. Perfect white diamond and the black onyx. This represent heaven and earth. And this, the whole creation, this is called the liberation boat. Like the boat we take people to the other side. Yes. The liberation. Like a perfect method of liberation. Like we teach people how to meditate and to find their own peace and liberation within this life. It's represented by the boat to take people to safety to the other side of the sea through the waves and the typhoon and all that. Est-ce à dire que si je porte un bijou comme celui-là, je vais aller mieux? You would be reminded of your own greatness. You'll be reminded of the liberation of heaven. That makes you more inspired to learn, to practice, to perfect yourself until you become the master of yourself. Then you will forget the trouble of this world. You will rise above all the trouble, like the boat rise above the sea. Le fait de faire des bijoux, inévitablement, vous rapporte de l'argent. Yes. Et c'est normal. Yes, c'est normal. mais je sais aussi que cet argent, généralement, vous l'utilisez au travers d'œuvres qu'on appelle humanitaires ou caritatives. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Quelle est votre position lorsque vous vous lancez dans ce type d'opération? Juste quelques exemples pour nos téléspectateurs. Vous êtes intervenu pour aider les victimes du tremblement de terre de Los Angeles, celle d'un terrible incendie, un incendie en Californie. Many places, everywhere. D'accord. From the free world to the communist world, we have every country. Votre intervention est une intervention d'une part financière, mais est-ce que vous avez une organisation derrière? Est-ce que vous avez, est-ce que vous allez sur place? Yes. So-called students, so-called disciples, whenever there is a disaster in their area or near their area, I will maybe phone and say, please take so much or please go and buy something. First get in touch with the government or the Red Cross, see what is necessary, and then we will buy and bring it there. But most of the time we give through the United Nations or through Red Cross or Salvation Army, whatever. If necessary, then we go. If the people say we don't need you, then we just give the money and the organization like United Nations or Médecins Sans Frontières, then they would do it. D'accord. Vous avez une représentation en France? Yes, we have. We have in many countries, about 50 donc on peut countries. But in every country, many branches. Center. We can contact here. Yes. Quelque chose aussi qui m'a intrigué, je pense qu'on finira là-dessus. Que vous évoque le 22 février? There was a time when there. I think
six governors of the United States in the Midwest, they made that day called Qinghai Day in my name. Pourquoi ça? Why? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on appelle ça le jour Ronald Marie? I don't really think it's worth it, but the American people, they are very generous. If you help them a little, there was a big flood, and we just help the people through the government, because the government know where the people need. So that's why the government know us, and then they just give me a day, that's all. D'accord. Madame Qinghai, merci beaucoup pour votre visite. Vous êtes très aimable et je vous remercie encore une fois pour votre visite. Merci beaucoup. Merci, monsieur.